Hey, salut tout le monde, c'est Xuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Yu-Gi-Oh! 5D Tech Force 5. Donc aujourd'hui, on se retrouve non pas avec Jack, mais avec Lua, enfin Léo. Pourquoi? Bah parce que c'est le personnage que j'utilise le plus pour farmer les DP, hein, par exemple dans les tournois. Puisque d'ailleurs, j'en ai gagné un, enfin. J'en ai gagné un et ça ne fait pas gagner de booster. Et en plus, à la fin, j'ai gagné 2500 DP. Et je me suis dit, mais c'est de la merde. Puisqu'en plus, j'avais fait un autre tournoi. Les tournois, je crois que c'est soit samedi, soit dimanche. Où en fait, c'est des mix de règles. Donc il y a toutes les règles de la semaine. C'est-à-dire qu'on peut commencer la partie avec 4000 ou 16000 points de vie. Enfin, chaque équipe commence avec 4000 ou 16000 PV. Ou alors on a 180 secondes pour jouer, ou 60, ou voire 30, 30 c'est possible. Et justement dans ce genre de tournoi, eh bien à chaque tour, enfin à chaque match, bah, dès qu'on gagne, on gagne 1000, puis 2000, puis 3000, puis 4000, puis 5000, etc. etc. Donc j'avais fait ça jusqu'à gagner 6000. Du coup ça me faisait 1000 plus 2000 plus 3000 plus 4000 plus 5000 plus 6000. J'ai la flemme de compter, mais à la fin voilà, avec les récompenses de fin de duel, bah, j'avais 20000 DP. Du coup je me suis acheté pas mal de cartes. Là normalement on va pas trop le voir, mais j'ai acheté beaucoup de paquets de ceux qui demeurent silencieux. Et du lot des merveilles, donc pour faire mes decks zombies et mon deck, enfin mon deck zombie et mon deck magicien. Sinon, bah, j'ai juste acheté quelques paquets d'autres personnages que je vais faire, que je vais utiliser par exemple dans Soleil Impardonnable. Je vais pas me mettre avec Trudge, hein, clairement, son deck m'intéresse pas, mais il y a d'autres personnages du jeu qui... où les monstres qui sont dans leur deck, eh bien, sont dans ce paquet-là. Et aussi, eh bien, Akiza. Crow, je vais pas le faire tout de suite, hein, les ailes noires, je sais que c'est très populaire, mais oh, j'ai pas trop envie de faire directement les ailes noires. Du coup, voilà. Moi, au début, je voulais vous montrer mon deck zombie, par exemple. Hein. Mais, sauf que le problème, aujourd'hui, c'est que, en faisant mes tournois, eh bien, j'ai affronté certains personnages. Et quand je les battais, eh ben, ça faisait monter leur cœur, enfin monter la jauge de leur cœur. Et il s'avère qu'il y a un personnage parmi ceux-là qui a eu son cœur rempli. Du coup, quand je termine la journée, sachant que là c'est la nuit, et je pense que si je fais un voire deux duels, ça va m'envoyer sur la prochaine journée. Du coup, je me suis dit, bon, bah, on va se préparer pour cet event, premier event de... Bah, d'un personnage que je voulais faire quand même, donc c'est bien. Et bon, ça fait la suite du scénario de Léo, puisqu'on va prendre en partenaire Luna. Mais on va pas juste pour faire le premier event, après on continuera sur Jack, et bah, du coup je vais peut-être enchaîner sur l'histoire de Luna, puisque bon, on aura commencé. Du coup, son deck c'est un deck bizarre, c'est un deck très heal, qui utilise notamment la princesse du feu et pas mal de heal. Moi je me suis dit, tiens, je vais faire un truc bien cancer. D'ailleurs, Kuribon, est-ce que Kuribon est bien? En fait, j'ai pas... Attendez. Je vais juste aller voir si j'ai pas une deuxième infirmière réticule. Ah bah déjà, je suis au bout. Est-ce que... Non, il n'y a pas d'infirmière réticule. Menu de recherche. Non. Déjà, on va effacer le résultat de recherche. Touk. Défilement de la catégorie en bas. Donc on va aller dans les I. Toc. Les I. On a raté les I là. A, B, C, D, E, F, G, H, I. J. H. I, J. Alors, I. Infirmière. Mais non, j'en ai qu'une seule, donc c'est très nul. Ou alors j'en ai rajouté. Non, j'en ai qu'une seule. Donc là, en fait, mon deck, ça va être un deck très cancer, hein, clairement.
Vous le voyez par le nombre de péages, de messagers de paix, il y en a un. D'ailleurs, les messagers de paix. Vous voyez, je refais totalement mon deck en vidéo. Bon, au moins, ça vous montre un petit peu comment je fais. Alors, messagers de paix. J'en avais eu qu'un seul. J'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que j'en ai eu qu'un seul. Bon, bah, j'ai des hallucinations. Donc du coup, alors dans notre deck, on a une infirmière réticule, j'aurais aimé en avoir plus ou alors avoir des effets secondaires, ça aurait été bien mieux aussi. Des couribons, ça combote un petit peu avec l'infirmière réticule. Marshmallone, pour bloquer, Monsieur une graisseuse, comme ça heal, Momonga agile, comme ça heal, mais en fait un troisième. Princesse du feu, donc ça c'est l'une des cartes maîtresses de ce deck. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va regagner des points de vie, on va infliger 500 points de dégâts à l'adversaire. Donc, vous allez me dire, bon, on va quand même pas mettre 8000 points avec du heal comme ça. Non, puisqu'on a aussi péage, l'adversaire, comme c'est un bot, va taper dans le tas, va perdre 500+, 500+, 500+, 500+, 500+. Et même si nous, on veut attaquer, bah, on perd 500, mais de toute façon, on aura beaucoup de heal. À un moment bah, il aura plus de points de vie et on aura juste à mettre une princesse du feu. On a une troisième sirène guérisseuse d'ailleurs, donc trois princesses du feu, une coccinelle à marque de crâne. Ah, mon troisième moment gage, j'ai pas fait gaffe, ça fait un petit moment que j'ai pas lancé ce deck, du coup je me trompe. Forêt ancienne x2, comme ça permet d'avoir un contrôle sur le board. Mais oui, mais messager de paix je l'ai en deux fois, mais je suis con. plus de compassion, ça c'est pour l'infirmière réticule. Là, l'infirmière réticule, je suis sûr que j'en ai qu'une. Pot de dualité. Petit fond d'espace mystique, violent, orage, vortex soudroyant, histoire quand même d'avoir un petit peu de contrôle. Après, violent, orage, je peux le virer. Des gobelins parvenus, ça va comboter avec l'infirmière réticule. C'est pour ça que j'en ai qu'une, donc tout ce qui heal un petit peu l'adversaire en même temps, c'est pas, pour l'instant, c'est pas ouf. Je vais mettre tout ça dans mon side deck, hein. En tout cas les plus de compassion. Qu'est-ce qu'on peut enlever? On va enlever ça, ça et ça. Ça ne sert à rien. Ok, voilà. Du coup ensuite on a des cartes qui vont bien bloquer notre adversaire avec l'esprit vengeur des marées, la porte des ténèbres, toujours messager de paix mais c'est le deuxième, 3 péages et voleur d'esprit qui va comboter avec la première réticule. Sinon on a le compte à rebours final et ça c'est une assez mauvaise carte que je vais enlever d'ailleurs. tiens je vais prendre du coup un autre pot de dualité pour enlever ça, parce que c'est très nul en fait. Après c'est du contrôle, à part le vœu solennel, qui serait bien à mettre en plusieurs exemplaires. Bon. Ok, allez, on va terminer notre petite journée. Avancer l'heure du jeu. Fin de la journée. Terminer la journée, oui. Bah et j'ai sommeil, blablabla. Et là, on va avoir un event. Voilà. Poursuite. Léo refait surface. Pourquoi Léo refait surface? C'est très bizarre. Bonjour, Alex. Je me suis dit que je te ferais visiter New Domino City, comme promis. J'espère ne pas être trop intrusive. En même temps, une gamine de 12 ans qui rentre dans ma chambre, là, c'est très bizarre. Tu m'as dit que tu n'avais pas beaucoup d'amis. Très bien. Je n'en avais pas beaucoup non plus. J'avais Léo, mais quand je jouais, c'était toujours si... Hey, tu savais que les esprits des monstres de duel vivaient dans les cartes? Je me suis enfui dans le monde des esprits une fois quand j'étais petite. Et les esprits étaient si gentils avec moi. Ils étaient mes seuls amis. Mais les choses sont différentes à présent. Aujourd'hui, j'ai Yusei et Akiza et tout plein d'autres amis. Donc je me suis dit que c'était mon tour d'être l'ami de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, en fait, je vous ai présenté mon deck, c'est pas du tout exactement le deck de Luna, mais le deck de... Son deck de base, en fait, est pas trop fort. Mais du coup, j'ai fait une petite adaptation avec un petit peu plus de burn et de heal. Hihi. Bien sûr, j'aurai toujours un lien avec tous les esprits. Je peux les voir dans les cartes à chaque fois que je me bats en duel. Oh, mais on a assez papoté. Nous devrions y aller. Allez, Alex. Ouais, quand même. On peut peut-être y aller. Oh, au centre-ville, on va acheter des cartes? Nice. où aller maintenant? Quelle heure est-il? Mince, je n'arrive pas à croire qu'il soit si tard. Mais en même temps, tu t'as pas arrêté de me parler.
Je me suis tellement amusé avec toi que je n'ai pas vu le temps passer. C'est bien, on a été de mon appart jusqu'ici. Le mec trop rabat-joie. C'est fou, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Luna! Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Et toi, Luna? Tu as dit que tu voulais venir avec moi, et là, tu es avec Alex. Et on dirait que tu t'amuses plus que beaucoup. Bien, plus que beaucoup. Faire du lèche-vitrine, boire du jus d'orange, s'asseoir sur un banc et discuter. Léo, de grâce, ne me dis pas que tu nous suivais. Vous suivre? Ne sois pas ridicule. Je n'ai pas marché derrière toi à distance raisonnable depuis que tu es sorti. Et je ne vous ai pas épié, Alex et toi, dans l'ombre. Si, tu l'as fait. Tu nous as suivis. Mais non, c'est juste que je marchais dans la même direction que vous. Que vais-je faire de toi, Léo? Eh bien, c'est franchement de ta faute quand on y pense. Tu as rejeté mon invitation. Sortir avec toi, c'est si... ennuyeux. Ah, le pauvre là, il va pleurer. Hein. On va toujours là où tu veux aller. Je veux m'aventurer dans des boutiques qui vendent autre chose que des babioles. Mais c'est... Bref, comme tu ne voulais pas venir avec moi, ce type a dû faire l'intérim. Bonjour, je suis le bolos. Mince, c'est pas très sympa pour moi. Enfin, faire l'intérim? Mince, c'est pas très sympa pour moi. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Le pauvre. Ah, Luna. Ah. Léo, c'est bien de faire des choses par soi-même de temps en temps, non? Pourquoi? On est frères et sœurs. Tu préférais être avec Alex, c'est ça? Non, ne me fais pas dire de ce que je n'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est que... Je vois ce que tu veux dire, et je suis super furieux. Affronte-moi ici tout de suite, Alex. Léo, pourquoi est-ce que ta solution à tous les problèmes? Est-ce ta solution à tous les problèmes? Tu ne peux pas t'enfuir, non? Ne fais pas attention à lui, Alex. Il s'énerve pour rien. On va remporter ça. Je crois en toi. Alors maintenant, tu es sympa avec moi? Je suis prêt à gagner aussi. Laisse Léo s'exciter tout seul et allons-y. Très bien. Quoi? Tu vas te battre en duel? Eh bien d'accord. Si c'est ce que tu veux, je serai ta partenaire de tag duel. Ouais, commençons. Mon deck va t'épater. Très bien, allez. On va utiliser nos decks cancer. Ah, c'est mon deck Alex d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. J'aurais dû mettre deck burn deck. Mais non, j'ai... En plus... Oh, ça se trouve... Mais non. Comment j'avais renommé mon deck? Bon, je vais commencer. C'est sur quel... C'est sur... Ah, Ebola, voilà. Ah mais non, Alex c'était mon prénom. Voilà, le deck s'appelle Ebola. Je vais te montrer combien je suis fort. Je vous demande à tous de me donner de la force. Très bien, parle à ses esprits bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Donc en fait, oui, elle a des messages HP, des trucs bien chiants qui empêchent l'adversaire d'attaquer. Pas énormément, mais quelques-uns. Mais par après, elle a d'autres... Elle a vraiment des mix avec des cartes de type plante, avec des tutos plantes et tout. Du coup, c'est vrai que j'arrive pas trop bien à capter l'esprit de son deck. En essayant de le refaire, je me suis dit, mais bon, déjà, il me manquait pas mal de cartes. Mais je me suis dit, non, mais c'est chiant, quoi. Bon, ok, Magneton, Morphonic. Oh, c'est dommage, il a détruit notre sport. Franchement, on pouvait rien faire. Photomorphonic, c'est bien, il utilise les monstres morphoniques qui sont presque inutiles, on va dire. Ah, allez, moins 800. Et deux cartes face cachée. Très bien. Allez, à moi, le cancer commence. Ebola commence. Alors, du coup, allô, depuis si vous contrôlez deux monstres en position d'attaque, ou plus votre adversaire peut... Ok. Et cadeau de l'elfe mystique. Très bien. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser la princesse du feu. Je vais poser la route étoilée et l'épouvantail de ferraille et je vais laisser ça comme ça. Ok, une phase.
Et en fait, dès que... Ah, j'espère qu'il va pas avoir un monstre fort. Bon, de toute façon, on a notre éventail de ferraille. On mettra le cadeau de l'alpiniste. Gobelin parvenu. Ok. Ah, c'est dommage. C'est dommage, on a regagné 1000 points. Bah, c'est... Merci. Moi, j'aime bien ça. Ah, il joue un monstre face caché. Ah, il va pas attaquer. Bon, en tout cas, j'espère que... En plus, il pose des cartes. C'est bien, ça. C'est bien. Bon, fait chier au lieu de Pixie, donc on va le retourner. Ça va ne servir à rien. On va pas activer le cadeau de l'elfe mystique. J'espère qu'elle va retourner la princesse avant. Allez, prête-moi ta force. Fais dansant. Allez, retourne la... Ouais, voilà. Ensuite, corne de l'unicorne. Ouais. Why not? Ouais, j'aurais préféré sur l'autre, mais ouais, d'accord. Hum. Prison morphronique. Ah. Bon, c'est pas trop de soucis. Cadeau de l'elfe mystique. Ah, ça, c'est bien. On va gagner pas mal de points. On a gagné 1200. Oh, que 1200. Très bien. Et elle va prendre... Il va prendre 500 points de dégâts. Et il est l'heure de combat. Ah ben non, tu ne peux pas attaquer. Ah bah bien joué, Luna. C'est très bien joué, tout ça. Mais à combien de temps, Luna? 15 minutes déjà, 16, à peu près. Gère de cupidité. Bon, pioche une carte. L'autre, il a un deck de pioche. Hein, Gobelin parvenu, gère de cupidité. De David. Ouais, cupidité, c'est bien. Donc, on ne peut pas attaquer. Génial. Génial, génial. Route étoilée. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça. C'est que je vais... Ah, je peux pas changer sa position, c'est vrai. Bon. Il y a une phase. Il faudrait une carte qui me heal tous les tours. Je sais pas, la sirène guérisseuse ou... le solennel. Ce serait bien. Bon, il pose encore des cartes. Non. C'est bien, moi je suis un gars, je déteste les decks cancer comme ça, mais je... Ok, avidité, à chaque fois qu'un joueur pioche, je mets plusieurs cartes. Il reçoit 500 durant une phase pour chaque carte piochée, elle est... Ah oui, par un effet, ok. Donc on va pas pouvoir piocher de cartes. Oh, c'est chiant. Ok, mon manga agile. Il va attaquer avec le manga agile. Sur le photon morphtronique, et c'est bien, puisque c'est autour de... Ah mais oui, j'aurais pu faire ça, je suis con un petit peu. Ah bah non, un défenseur héros de la destinée. Ah ok. Ah, il a un deck intéressant par contre. Pour le coup, ça c'est un deck... C'est un deck un petit peu inédit. Je suis à avidité et à chaque tour, il va nous faire piocher une carte. Ah, intéressant. Bon, par contre, il va falloir s'occuper de ce le défenseur. Hein. Il va être un petit peu chiant. Ok, donc ça on va pas l'utiliser tout de suite. Ah. Je partirai bien sûr. On va rester comme ça. Puisque ça va être compliqué. Sinon je peux faire un gobelin parvenu. Mais ce n'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Donc on va une phase. Donc du coup avidité va nous enlever 500 points de vie. Très bien. Ah d'accord. Moi je trouve ça original. Du coup il va nous faire piocher ma carte là. J'imagine. Destruction de cartes, des trucs comme ça. Non. Très bien. Il aura mis. Ok. Draw. Vas-y, défenseur. Fais-nous piocher des cartes, c'est très sympatoche. Oh, si c'est juste pour se perdre 500 points, mais au moins ça me mettra... Allez, Luna. Mais c'est en mode défense, c'est très bien. Ah non. Non. Par contre, là, tu... À la fuck top, clairement, moins 500. Oh non, elle a bloqué la zone monstre, la zone magie, je veux dire, magie piège. Oh non, et route étoilée, épouvantail de ferraille, ça va être tellement difficile à les utiliser. Ok, bon, défenseur, fais-moi piocher une carte. Piège? Non, dégage-la. M'en fous. Je m'en fous. On s'est bloqué quand même. On va pas attaquer, donc PH ça ne sert à rien.
Bon, tout ça, ça ne nous sert à rien. Bon, end phase. On va défausser une carte, du coup. Allez, on prend 500, oui. Oui, bon, tu dégages. Bon, les gars, il faut... Léo, peut-être, il pourrait peut-être faire quelque chose. Si c'est un deuxième défenseur, ça... Ça peut toujours être intéressant. Bah, ça nous meule, ça nous fait des dégâts, mais ça peut toujours être intéressant. Ah, regarde ça. Ah oui, ouais. Le défenseur qui fait piocher les cartes. Nous remet pas un messager de paix. Heureusement que le messager de paix, je pouvais le détruire. Les limites de niveau zone B, ça aurait été très compliqué. Mais je pense qu'elle veut pas faire des trucs comme ça. Donc... Par contre, ouais, quand on est bloqué comme ça, le... L'ordinateur, il bug un petit peu. Enfin, il a du mal. Koalades. Ah. Oh. Ah, par contre, si on perd, ça sera... Voilà. Ça va pas me plaire. Non, mais arrête avec tes messagers de paix. Je vais le détruire aussi, de toute façon. Allez, il me faut une infirmière réticule. Comme ça, je vais lui mettre des cartes. Je vais lui mettre des dégâts. J'ai fini mon ancien. Ouais. Oui, pose-moi. Je compte sur toi. Un chronomorphtronique. Oh oh. ouais. Ah, c'est chiant. Messager de paix. Nice. Ouais. Oh, princesse du feu. Wow. Maintenir un messager de paix sur le terrain en payant. Non. Je ne veux pas. Là, ça va être compliqué. Bon. Toi, tu peux attaquer. Ok, on va faire ça. On va faire ça. Toi, on le met en mode attaque. Ça, du coup... On s'en fout. Faudrait qu'on puisse le détruire, mais bon. Je vais mettre ça en mode attaque. Chaque fois qu'il y aura du heal, ce sera bien. Du coup, on n'a rien d'autre. On va battle phase Z. On va attaquer. Et il n'a rien d'autre, donc il a juste mis en mode attaque. Ça, c'était dangereux, par contre, parce qu'on subirait 1000 points à chaque tour. Phase. Voilà, l'édité, moins 500. Ah, non, merde. J'ai spammé A et j'ai enlevé le gobelin parvenu. Et ça, c'était pas trop la carte que j'avais envie d'enlever, en fait. Ouais, une phase. Allez, défenseur, oui. Ensuite, ah, tornade géante. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, enfin, c'est bien comme on veut, mais genre, ça ne déplaît pas, en fait. Allez. Détruit le samouraï Sasuke, ça c'est bien. Alors ça en mode défense, ça en mode défense. Et repose toutes les cartes. Épouvantail de ferraille. Allo Pixie. Allo Pixie, c'était de la merde. Route étoilée. Ouais. Ok. Alors vas-y, mets-nous un violent orage. Ah ben non, je peux pas, ça sert à rien. Alors Typho l'espace mystique sur l'eau de... Merci. Oh mince, oh non, pourquoi Allo de Pixie était détruit? Ah quand même. Les commandes morphtronique. Oh, il va invoquer son... Il va enfin invoquer un truc. Ça, c'est bien, ça. Du coup, à l'eau de Pixie, ça aurait été bien. Il a... Ah oui, il a remis... Elle a remis l'épouvantail de fer. Allez, invoque ton poteau, le dragon électromécanique. Un partisan de l'amour. J'avais oublié de baisser le son du jeu. Voilà, là c'est mieux. Comme ça, on va pas s'éclater les oreilles. Alors, il va activer son effet. On est d'accord, on est au courant. Mouais. Bon, je sais pas ce qu'il y a de mieux. Tout ça. Il va attaquer quoi? Oh merde, j'ai spammé. Épouvantail de ferraille. Oh non, ça aurait été bien qu'ils le détruisent. Ça aurait été très très bien. Très bien. Ah bon, bah vas-y, il pose ses cartes. Et c'est bon. Ah, enfin j'ai ça. Mais bon. Alors, on va mettre un péage.
On va mettre... On va mettre... Pot de vin du temple maudit. On va... Qu'est-ce que nous pouvons faire? Mettre ça en mode défense. Tant que cette carte a besoin d'augmenter vos life points durant chacune de vos standby phases. Du coup, bah, ça c'est bien. Et on va... rien faire d'autre. Qu'est-ce qu'il va vouloir attaquer? L'oiseau de rose, non? En fait, tout ce que je veux pas qu'il détruise, c'est... ça va être mes fées dansantes et ma princesse du feu. Sinon, les... enfin... ouais, ouais. C'est... oui, c'est... non, c'est ça, deux princesses du feu. Les deux princesses du feu et les... machin. Ok, bon. Selon ce qu'il attaque. Je vois pas, j'ai pas vu. J'ai pas vu... ok, ok, péage. Prends 500 points de vie. Je te laisse détruire mon monstre. Ça me pose pas de problème. Non, sous ça arrive. Ça par contre, péage, bon, voilà, 500 points. Et ça par contre, on va mettre un petit épouvantail de ferraille. Du coup, là, notre stratégie, voilà, prend enfin le sens qu'on voulait lui faire faire. C'est-à-dire que là, on va gagner 1000 points de vie grâce à la fée dansante. On aurait pu mettre en défense depuis le début, mais je ne savais pas. J'ai oublié son effet. Voilà, on regagne 1000 points de vie. La princesse du feu va lui infliger 500 points de dégâts. La princesse du feu va lui infliger 500 points de dégâts. Quoi d'autre? Ah, sinon, elle va mettre... je pense qu'elle va mettre fée dansante avec la corne de l'unicorne. Sport. Ok, dégage ton monstre plante. Il est réinvoqué. Oh non! Non, pas l'invocation 5. Ah, ok, ça me va. Tu joues avec mon gars agile. Et l'Ancient Dragon Pain. Waouh. J'adore ce monstre quand même. Je le trouve très stylé parmi les 5 dragons. Les 5 dragons légendaires. Faire l'invocation spéciale d'une carte spécifique. Qu'est-ce que tu veux réinvoquer? Oh, fée dansante. D'ailleurs, elle a combien? 2100. Ouais, j'aurais pu le mettre en mode défense, mais bon. Non. Non, c'est bon. Non, c'est bon, on va regagner 2000 points de vie à chaque tour. Ça va lui infliger 2000 points de dégâts à chaque tour aussi. Un dragon électromécanique. Puisque le dragon électromécanique, on va annuler son attaque. Ah, ben non, le boucher va détruire une des cartes qu'on va mettre en face cachée. Enfin, non, va détruire un... qu'est-ce que je raconte? Un de nos monstres en mode défense. Très bien, allez, douleur et pouvoir, lance comme on se... j'ai pas vu, j'ai pas vu, je me souviens plus de ce qu'on avait fait. Ah, mais non, il fallait pas lui... c'était pas grave. Ok, pot de vin du temple maudit. Bon bah, c'est nous qui jouons une carte, hein, c'est très sympa. Là, il va activer son... ah, je sais plus comment ça s'appelle. Il a plus de pièces, hein. Allez, frondo morphtronique. Ah! Non, il n'y a pas d'autre monstre morphtronique, ça va. Et là, il va me détruire des cartes. Là, tu fais péage, moins 500. Là, tu nous fais un petit... ou alors tu le laisses être détruit. Non, c'est bon. Ok, épouvantail de ferraille. Ok, donc attaque annulée. Bon, par contre, je pense qu'il va détruire. Donc, il va subir 500 points de dégâts. On a la... fée dansante qui dégage. Qu'est-ce qu'il va attaquer là du coup? Fée dansante aussi. Voilà, il va perdre 500 points. Ça va être un épisode long, hein, pour une fois. Allez. Pour une fois, depuis la dernière fois où ça, on n'a pas fait un épisode long. Très bien. Et it's my turn now, bitch. Ok, parfait, parfait, parfait. On va faire ça. Attendez. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière, okay, donc on peut utiliser cet effet pour... comme ça. Alors, là il va activer l'effet du dragon électromécanique. Donc ça m'arrange. La coccine et la marque de crâne va nous faire regagner 1000 points de vie. C'est très bien. Princesse du feu va du coup lui infliger 500 points de dégâts. Princesse du feu, encore une fois, 500 points de dégâts. On va mettre la sirène guérisseuse en mode attaque. Qu'est-ce que tu peux faire toi? Une fois par tour, vous pouvez faire l'invocation spéciale à monstre de... vous ne pouvez pas mener votre base de phase de tour. Vous... si vous le faites, gagnez les 1000 points et vous...
Ah bah oui, allez, on... dragon, ancien dragon féerique, vas-y. Faire l'invocation. Alors, mon manga agile, en mode défense. Du coup, je peux prendre... Ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est quand on détruit une carte de terrain, autant pour moi. Du coup, on va mettre le messager de paix. Et c'est tout. Du coup, on va terminer notre tour. Et du coup, à chaque tour, on va lui mettre 1000 points de vie, 1000 points de dégâts. On va regagner 600 points. Gobelin parvenu. Bon, oui, vas-y. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Donne-moi des points de vie. On t'inflige 500, puis 500. Voilà, c'est parfait. Bon, avant, quand j'ai essayé ce deck en solo, ça va, c'était pas trop long. Là, c'est vraiment Luna qui nous fucked up toute la stratégie. Allez, pioche, avidité. Oh, avidité, quand même, à ton âge. Allez, sirène guérisseuse, on regagne 800 points de vie. Princesse du feu va lui infliger 500 et l'autre princesse du feu lui inflige 500 aussi. Voilà. Messager de paix, bon, on perd 100 points, c'est bien dommage. J'aimerais bien qu'elle ne bloque pas nos zones carte magie. Tiens, putain. Ok, pourquoi la princesse du feu? Pourquoi sur princesse du feu? What the fuck? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Péage. Oh, d'accord, on prend 500 points. C'était un défenseur, c'était sûr. Oh non, elle nous a bloqué. Bon, c'est pas grave, au prochain tour, on gagne. Nous sous ça, ah, sauf s'il a un violent orage. Est-ce qu'il aurait violent orage en carte de la destinée? Je pense pas. Dragon électromécanique. Bon, il va réactiver son effet. Ok, ça c'est nul. Ça c'est bien nul. Et ça c'est nul aussi. Très bien. C'est trop cool. Photon morphtronique. Ouais. On compte faire quelque chose d'autre. Détruire mon manga agile. Comme ça on termine le duel ici. C'est très bien. Moins 500 points de vie. Non, mais non. Mais non. Épouvantail de ferraille. Elle est con. Bon bah... C'était un magnifique duel. On a réussi à gagner quand même. On a réussi à gagner. On est mal barré. Comment ça? Allez, sirène guérisseuse. Plus 800. On active les effets de nos princesses du feu. Et tu perds tes 500 derniers points. Princesse du feu. Ah, j'ai bien aimé. Ça a mis les 500 derniers points. Et après encore. Bon, bref. J'ai perdu. J'ai réussi. On dirait que j'ai décroché une victoire. Je parle trop vite. 853 d'épée. J'ai pas une récompense deck, le pire deck. Je n'arrive pas à croire ce qui vient d'arriver. Alex ne peut me battre. C'est juste inimaginable. Sauf que ça vient d'arriver. Il est temps de voir les choses en face. On a perdu. Tu es satisfait, Léo? Alex est un dueliste de talent. Arg. Réconcilie-toi avec Alex et serrez-vous la main. Et on laisse ça derrière nous. Minute. Juste parce que j'ai perdu un tag duel ne veut pas dire que Alex est le meilleur. Léo. Très bien. Désolé, je me suis comporté comme un imbécile, Alex. Voilà, je suis désolé. Vous êtes content? Tu vois, ça n'était pas si dur. Mais ça brûle, ça me brûle à l'intérieur. Alex est beaucoup mieux que je ne pensais. Je gagnerai la prochaine fois, cela dit. Partons d'ici. Ouais, à plus tard, Luna, Alex. Luna, rentre le plus vite possible. Ce n'est pas la peine de me le dire. Alors, il dit qu'il va gagner la prochaine fois. Léo ne changera jamais. Il devrait faire preuve d'un peu d'humilité et d'admettre que tu es doué, Alex. Et tu étais épatant. Moi-même, j'étais sous le choc. Tes compétences en duel sont incroyables. Que ceci dit, reste... Que ceci reste entre nous. Mais même Léo... Même si Léo est assez fort, tu es meilleur. Je parie que tu ferais un bon score contre Yusei ou Akiza lors d'un duel. Bref, rentrons. Léo s'inquiétera certainement si je rentre tard. Très bien.
Et du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve la prochaine fois pour un event de Jack, hein, puisque voilà. Non, normalement, ça devait pas être un event aujourd'hui, donc je considère ça comme un épisode non-event. Mais même si c'est un event, donc c'est très compliqué tout ce que je dis, mais du coup, on aura un event de Jack la prochaine fois. Et on vous dit bye bye tout le monde, à la prochaine. Bye.